Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'ai offert des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un plano ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PSK dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTechS. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est FinTechS, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, je vais vraiment super bien, comme vous avez vu au titre et la miniature de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de vous rendre dans la boutique d'objets, de faire la case soutenant un créateur et de tous rentrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Cela me fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu à l'accueil de la boutique, il y a le tout nouveau skin MrBeast qui est enfin disponible. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'obtenir et gratuitement les deux packs. Alors du coup, on va commencer directement avec le premier pack. Alors on a le skin juste ici, on a son outil de collecte et juste ici, on a son emote. Et juste ici, on a un revêtement qui est assez stylé, moi j'aime bien. Tout ça pour le prix de 1800 V-Bucks. Et juste ici, on a le deuxième pack qui est vraiment super stylé aussi, avec un style animé comme ça. Du coup, là, dites-moi vos avis, lequel vous préférez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir les deux packs gratuitement. Du coup, tout simplement, première chose, ce que vous allez faire, vous allez partir dans la boutique d'objets, vous allez faire soutenir un créateur, et là, vous faites accepter avec mon code créateur. Une fois que ça c'est fait, là, vous allez partir dans vos paramètres. Alors là, c'est toujours la même manipulation. Là, vous allez partir juste ici, dans quête d'opinion, là, vous allez vous mettre sur vos noms, et dans recevoir des cadeaux, vous allez vous mettre sur vos noms, c'est vraiment super important. Là, vous allez faire le bouton appliquer, et là, vous allez retourner à l'accueil. Vous allez partir dans la boutique d'objets, vous allez monter tout en haut où il y a les deux packs. Et là, vous allez cliquer sur le pack que vous voulez. Exemple, moi, je prends ce pack-là. Et là, je fais obtenir des V-Bucks. Là, ça me ramène dans la boutique de V-Bucks. Je clique sur l'achat de 2100 V-Bucks. Juste à retourner au lobby du jeu. Et là, simplement, je retourne dans mes paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Et du coup, juste ici, à faire une demande de remboursement. Et là, comme on peut le voir, j'utilise, exemple, ce skin-là. Pour me faire rembourser tout ça, j'utilise ce ticket là. Et là, je vais utiliser ce ticket là. Vous devez avoir un ticket de remboursement. Là, vous allez faire continuer et ok, voilà, il y aura une petite erreur. Et là, vous allez réactiver tous vos paramètres. C'est vraiment super simple. Vous allez faire le bouton appliquer et faire le bouton retour. Là, vous allez partir juste ici dans vos paramètres. Là, dans signalement, là, vous allez faire un signalement. Signaler un bug ou un joueur, vous allez cocher la case. Là, vous allez faire signaler un bug. Vous allez descendre tout en bas. Petit casier ou salon, vous allez cocher la case. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas, vous allez cocher la case. Et là, vous allez faire refaire la capture d'écran. Vous allez attendre quelques secondes et là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. Envoi du signalement à Epic Games. Là, vous allez faire le bouton fermer et vous allez revenir dans la boutique d'objets. Et là, vous faites encore obtenir des V-Bucks sur le pack que vous voulez. Et là, vous avez juste à quitter Fortnite et de relancer le jeu.